Salut à tous et à toutes, c'est King Lizard, bienvenue sur The Crew dans notre road trip USA. Nous sommes à New York et donc on va faire all the way up. On va aller vers Salem et on va aller tout en haut de East Coast, hein, donc là-bas tout en haut à la frontière canadienne. Et ensuite on va redescendre vers Landmarks, Niagara Falls, etc. Et on va passer devant les Grands Lacs pour retourner sur Détroit. Voilà, donc on va pas faire ça dans un... On va faire ça en plusieurs épisodes, hein, bien entendu. Allez, c'est parti, nous sommes de nuit. Et ouais. Allez, c'est parti. Donc il aura fallu quand même 2 jours pour faire le tour, 2 jours in-game, hein, pour faire le tour des États-Unis. Allez, c'est parti. Le pied au plancher. Le Bronx. Ah bah oui, hein, faut pas te garer comme ça, hein. C'est sûr. Hein. S'il y a un mec qui sait pas rouler comme moi qui passe par là, c'est sûr ta voiture. En plus, je m'arrête pas, hein, je fais pas de constat, hein, tu te débrouilles. Ouh, doucement, doucement. Bien. Nion. Désolé. Oh lui, il n'a même pas allumé ses phares. Ah si, en fait, ils sont allumés, mais ils sont tellement petits, on les voit pas. Allez, saute. On va pas tellement haut le saut. Oh, wow, doucement. Elle survire pas assez cette voiture. Je préférais qu'elle parte plus du cul. Permettrait de faire des beaux petits drifts. Mais apparemment, elle tient vraiment bien la route. Et donc forcément, je ne peux pas faire les drifts que je voudrais.
Et puis quand je voudrais faire un beau drift, comme ici, comme je pourrais faire un beau drift, et ben je me torche. Je me retrouve dans le décor. Drive on road, dirt, je sais pas quoi. Ah, j'ai dû tout faire, tout type de circuit. Ouh là là, ouh là là, ouh, compliqué. Attention les gars. Watch out! Your car is a wreck. Non. Au revoir. Oula, pas eu de petit bug. Je sais pas bien si c'est une route de terre ou quoi ici, mais en tout cas, en pleine nuit comme ça, c'est chaud, on voit pas la route, hein. Drift a combined total distance of 1,61 km. Le mec il drift non-stop. Ah tiens, il y a une voiture à débloquer dans le coin. On va voir. Ça doit être ici quelque part. Ah. Ouais, c'est compliqué quand même. On peut pas passer par là. En plus, en pleine nuit, laisse tomber quoi, on voit rien. Est-ce que je peux passer là? Non. En pleine nuit, je ne vois rien. On ne voit rien du tout. C'est sur la corniche, mais alors, pour réussir à remonter. Ah, peut-être qu'il me faut une voiture spéciale, hein, parce que là, pour grimper ça avec cette caisse... C'est compliqué. C'est pas vrai, c'est pas ici encore. Bon, je suis plus très loin. Ah, on vient de voir une biquette. Oh, 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 oh. Ah, au secours! Bon, bah tant pis, j'irai une autre fois, hein, parce que là,
Zut alors. Bon, je vais essayer de retrouver la route. Salut mec, à tous les coups il est en train de faire pareil que moi. Allez, on est parti à la frontière canadienne. À fond de blinde. Et on va essayer de faire pas de pas de pas faire trop d'accidents. Ça serait mieux. Tout en frôlant les voitures. Ouais, c'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes panneaux. Crown of Maine. Au bord d'un lac. Alors, où sommes-nous sur la map? Eh ben, on est tout en haut du tout en haut. On peut pas aller plus haut. Allez. Alors, prochain lieu à l'épisode. Au prochain épisode, on va aller sur Niagara Falls. Et si on a encore un peu de temps, on va continuer de descendre. Je pense pas qu'on puisse faire directement tout ça en un épisode, quoique en se dépêchant, ça va faire peut-être un épisode d'une vingtaine de minutes. C'est fort possible. En tout cas, voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. On se voit dès demain pour la suite. Allez, salut!